Et salut à tous. Donc pour ce petit live questions-réponses, alors je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Encore une fois, désolé pour tous les modérateurs qui ont perdu leurs clés. En fait, on a eu quelques problèmes techniques. Hein, nos modérateurs s'est amusé à effacer quelques commentaires. Du coup, j'ai dû l'enlever à pratiquement tout le monde. Voilà, le temps de l'investigation. Puis après, peut-être qu'on la remettra. Donc voilà, le but de ce live ce soir, c'est de répondre à vos questions. Donc par le chat, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Et le tout évidemment dans la courtoisie et la bonne humeur. Hop. Du coup, j'en profite pour saluer déjà quelques personnes qui sont déjà dans la room, comme vous pouvez le voir. Donc on a Franck, avec qui j'ai réalisé ce documentaire. On peut vraiment dire que c'est du 50-50, hein, on a vraiment bossé ensemble. On s'est rendu sur place aussi ensemble et il a vachement bossé aussi sur ce documentaire, donc salut à toi Franck. Merci Daniel, bonsoir à toutes et à tous. On va faire de notre mieux pour répondre à vos questions. Voilà, et puis ensuite on a Jean-Michel qui interviendra un peu plus tard par rapport à un documentaire qu'il est en train de préparer et Dame à la fois aussi qui est parmi nous, qui lui Bonsoir. aussi, salut à toi. Qui interviendra donc aussi plus tard avec une petite capsule sur Muriel Boll, son comportement après ses déclarations. C'est ça, dame? Oui, c'est ça. À tout à l'heure. Ok, ça marche. Alors là, je suis en train de regarder un peu sur le chat s'il y a déjà des questions. Non. Alors une question qui est revenue souvent, en tout cas dans les commentaires, en fait, c'est mais Bernard, c'est un génie, en fait, s'il a réussi à faire tout ça ce jour-là, il a tout planifié, il revient, il y a une deuxième étape, tout ça. En fait, je pense que ça, c'est pas la bonne méthode, en fait, pour s'approcher de ce qui s'est vraiment passé. Personnellement, je pense qu'il faut voir ça un peu comme dans la série Fargo. Et c'est-à-dire, il y a des petits éléments comme ça qui font que Bernard a dû changer ses plans si c'est lui. Encore une fois, on parle au conditionnel. Et c'est ça qui l'a fait revenir en fait une deuxième fois à Décimon. En tout cas, c'est mon avis. Je sais pas ce que les autres en pensent, mais voilà, à mon avis, quand il passe l'appel ou quand il a Décimon devant l'église, à un moment il est peut-être vu par quelqu'un. J'ai appris là récemment que Décimon c'était un peu l'endroit par lequel il fallait passer. Si on voulait se rendre à Docelles, par exemple, tout ça. Donc c'est fort possible qu'il ait été vu, ou qu'il ait fait une erreur, hein, qu'il ait, je sais pas moi, qu'il ait perdu quelque chose sur place, où on peut imaginer plein de scénarios, et qu'au final il soit dit, vaut mieux que je retourne en fait chercher l'enfant, parce que si l'enfant est trouvé à cet endroit et qu'on m'a vu, on risque, voilà, on risque de me débusquer, et c'est peut-être ça qui va le pousser à revenir, quoi. Donc pas obligatoirement un mastermind qui a tout compris dès le début, mais plutôt voilà un coup de tête, ce genre de choses. Je sais pas ce que t'en penses, Franck, de ton côté. Moi, ce que je voulais juste rajouter là pour la départementale, il est vrai que la départementale en 1984, c'est pas la voie express qu'on a maintenant, mais elle coupait, elle passait à travers Décimon et la cabine téléphonique et sur cette départementale à l'époque. Donc il y a quand même un fort passage, tout le monde passait par là pour faire l'épanche de sel. Donc c'est une cabine qui était quand même visible. Sur cette route, et donc il est possible qu'il ait paniqué ou autre, si c'est une cabine qui a été utilisée, quoi. Après, Exactement. par rapport, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais par rapport à tout, on a fait tout un travail sur les cabines téléphoniques dans les alentours de l'épange, et même si cette cabine téléphonique était sur le passage de voiture, d'autres cabines qui auraient pu être utilisées sont encore plus visibles, il y a encore plus de passages. Et des passages de personnes à pied, pas forcément en voiture. Donc, c'est encore plus compliqué. Il a été plus vu. Exactement, ouais. C'est ça qui était intéressant sur Décimon. Nous, quand on se rend sur place, en fait, on pense au PV de Muriel qui parle d'une église avec une place. Je me souviens qu'on avait demandé dans la loge, en fait, si Muriel parlait d'un muret, on n'était pas sûr. Et en fait, là, c'est vrai qu'à Décimon, on a un endroit qui réunit un peu tous ces points clés de son PV.
Donc on a l'église, on a la place, on a la cabine téléphonique, on a un petit chemin où il peut partir en fait avec l'enfant et revenir seul. Donc au final, c'est vrai que c'était assez intéressant, quoi. Décimons. Et de suite, en fait, on s'est intéressé à cet endroit qui pourtant n'était pas encore sur notre radar, mais en y passant, ça fait tilt, quoi. Oui, c'était un ressenti. Mais on était sur, à l'époque, on était passé, on travaillait beaucoup sur les témoignages de la voiture verte et de l'excitation qu'on voyait, qu'on apercevait d'une voiture verte. Bon, il y avait toutes les marques, hein, c'était pas forcément une seule voiture, mais nous, on avait ce sentiment que c'était la même voiture qui était décrite. Et on essayait de voir par où elle pouvait passer, et c'est là où on a commencé à chercher autour de Décimo. Et on a senti ce lieu comme intrigant et potentiel. Et après, nous travaillons. Je suis désolé, j'ai mon chat qui miaule, qui vous dit passe le bonjour aussi. Donc oui, on sentait qu'il y avait quelque chose de très intriguant, un ressenti, mais sans avoir d'idée ni quoi que ce soit autour de ça. Et c'est par la suite qu'on a découvert petit à petit les éléments autour de Décimo. Voilà. C'est ce qui était intéressant aussi, c'est quand on est à l'Épange, en fait, le meilleur moyen pour aller en direction d'Ocelles, en tout cas de façon discrète, c'est de passer par l'autre verrière, donc ces fameuses routes de montagne, voilà, où il n'y a pas beaucoup d'habitations, tout ça. Et c'est vrai que si on suit ces routes, au final, on arrive pile poil à cet endroit. Donc, faut pas être vraiment un génie ou quoi. Il suffit juste de, voilà, d'avoir l'envie de pas être vu. Et au final, on se retrouve là automatiquement, sans trop réfléchir. Donc voilà pour cette question. Après, une autre question que j'ai vue aussi souvent, c'était par rapport à la mise à mort. C'est vrai que, mais moi, j'ai souvent bataillé avec Franck sur le fait, voilà, qu'on n'ait pas retrouvé de diatomée, je crois que ça s'appelle, ces petits résidus, voilà, qu'on peut trouver dans l'eau de la Vologne. On les a pas retrouvés dans ses poumons. Du coup, il y avait pas mal de théories sur la mise à mort. Est-ce qu'il a été noyé dans de l'eau douce, tout ça. Et Franck, toi, t'as toujours été plutôt sur la piste d'un étranglement, d'un étouffement, ce genre de choses. Et pendant longtemps, moi, je me disais, on n'a pas retrouvé d'adrénaline non plus. Mais avec le temps, je me suis aperçu, voilà, que c'était en 84 déjà, donc la science n'était pas avancée. Et puis surtout, je me suis mis à la place aussi des gens qui ont fait l'autopsie, des médecins légistes, qui eux, en fait, ont vu un enfant, pieds et poings liés, dans la Vologne, en fait. Donc pour eux, ils ont cherché un enfant, enfin, ils ont cherché à justifier ce qu'ils ont vu. C'est un peu compliqué, mais il y a peut-être un biais cognitif, en fait, qui s'est installé. Ils sont allés dans le sens, en fait, de la scène. Ils ont peut-être écarté d'autres pistes, tout ça. Et du coup, voilà, toutes les possibilités sont ouvertes, en fait. Voilà, moi, je suis pas strictement basé sur ce qui est dit, voilà, dans les rapports d'autopsie, tout ça, parce qu'au final, il est bien mort de quelque chose et c'est pas obligatoirement par noyade ou quoi. Enfin, d'après moi, en tout cas. Alors, une fracture de cervicale. Aucune idée, Emma. Franchement, ça, je peux pas te le dire. Après, voilà, Franck, lui, il avait vachement enquêté là-dessus. Il avait trouvé quelques techniques d'étranglement qui permettent de faire ça. Après, on peut pas savoir, en fait. On peut que spéculer sur la méthode de sa mort, au final. Hein. Enfin, moi, j'ai pas réussi à trouver le truc. Oui, on sait qu'il n'a pas été violenté, on sait qu'il n'a pas pris de coups. Donc, même si c'est un étranglement, c'est un étranglement à la douce, pour le coup. Il n'y a pas de bleu autour du cou, c'est pas une strangulation à main nue directement. Donc, on arrive à retirer à fermer des portes sur ce sujet. Par contre, on a, dû à l'autopsie, des portes ouvertes et qui sont très difficiles à définir. Pour l'enquête, et surtout par nous amateurs. Hein. Donc, on est obligé de se contenter de ces éléments-là et on ne peut pas savoir s'il est noyé ou étranglé.
Mais là, les infos de. En tout cas, il n'est pas tombé, il n'a pas été frappé, il a dit quoi que ce soit. C'est un peu délicat de parler de ça, pardon, ce soir, mais voilà. Il faut quand même le faire, voilà, parce que c'est une question qui revient souvent, donc autant y répondre. Voilà, moi j'avais entendu aussi qu'il avait une ecchymose ou quelque chose comme ça sur le front. Donc on s'est dit aussi, ah, j'ai mon micro qui est en train de tomber. mais on s'est dit voilà que peut-être qu'il avait été aussi frappé ou quoi, mais en tout cas rien de mortel quoi apparemment. Je vois que le micro a été coupé. Je vais reprendre un peu. Je vais voir une petite question, on l'a passée rapidement. Oui, moi, j'ai fait de la compétition d'arts martiaux. Donc, effectivement, il y a quelques techniques de strangulation. Désolé, j'ai un petit problème de micro. Est-ce que vous m'entendez? Ici, on t'entend. Ah ok, c'est bon, je vous entends aussi. Désolé, le micro, il est tombé. C'est les aléas du direct. Donc j'ai pas trop suivi. A priori, ça a coupé la loge aussi, étrangement, parce que vous m'entendez pas parler. Ouais, je pense que du coup, comme le micro est tombé, c'est passé sur une autre source audio. Un truc comme D'accord. ça. Donc je peux pas promettre que ça se reproduise pas puisque j'ai fixé ça provisoirement, mais bon, on va essayer. Alors, je crois l'hématome était sur le cuir chevelu. Il est possible d'étrangler sans laisser de traces. Oui, voilà, je pense que c'est ce que Franck a dû vous dire pendant que j'étais HS. A priori, on m'a pas entendu. C'est ce que j'ai essayé de dire, mais a priori, on m'a pas entendu, donc je sais pas. Ben vas-y, Il doit y recommence avoir un encore. décalage. Oui, je vais recommencer. Donc je disais que oui, moi j'ai fait des compétitions d'arts martiaux quoi, on a l'habitude de faire des étranglements pour faire des soumissions. Bien sûr, on va pas jusqu'au meurtre, hein, mais on arrive à faire des étranglements qui vont jusqu'à évanouissement sans laisser de marque assez simplement en fait. Par contre, ouais, si a priori c'est bon, m'entendez. Donc oui, par contre, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut un tout petit peu de connaissance pour le faire, mais c'est pas très compliqué non plus. Donc il est possible que le meurtrier ait fait un étranglement comme celui-ci, quoi. Voilà, après j'ai souvent lu aussi la théorie de l'accident en fait, c'est-à-dire ça revient souvent, moi j'y crois pas trop, mais on nous parle de peut-être qu'il y avait une rançon, quelque chose comme ça, et en fait pendant que ça se passe quoi, il y a un accident et l'enfant meurt quoi. Mais c'est vrai que ça moi personnellement ça m'a toujours troublé en fait. Voilà, les conclusions de l'autopsie m'ont toujours troublé et j'ai jamais réussi à trouver. À trouver une solution, quoi. Donc, je pense que il faut essayer d'ouvrir un peu le champ des possibles pour s'approcher de la vérité, en tout cas pour avancer un peu. Alors, ça défile assez vite. Après, un autre truc auquel j'avais pensé aussi. Ce qui est intéressant avec Bernard aussi, et ça on n'en a pas parlé dans la vidéo, en fait il y a beaucoup d'appels qui sont passés à des horaires où Bernard en fait travaille pas.
Donc soit voilà, ça se passe l'après-midi, donc comme lui travaille de nuit, on va pas l'en... enfin c'est possible quoi que ce soit lui. Et puis ça me faisait penser aussi à ce fameux courrier qui est glissé derrière un volet de chez Bernard. Et donc là aussi, je me souviens que le corbeau va parler avec Monique, et Monique va lui dire ah ben tu te lèves bientôt pour nous harceler quoi, hein, à 5h du matin. Et en fait là je me suis dit, si c'est Bernard, lui par contre il peut faire ça en revenant du travail au final. Donc voilà, ce qui est intéressant avec Bernard, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent matcher en fait. Il y a plein de protagonistes qu'on accuse, avec qui il y a certaines choses qui matchent, qu'on peut faire rentrer dans l'équation. Mais il y a toujours 2, 3, 4 éléments qui vont empêcher d'aller plus loin. Alors que bizarrement, avec Bernard, ça marche pratiquement tout le temps. Donc voilà, encore un élément qu'on n'a pas mis dans la vidéo. Il voulait peut-être juste enlever Grégory et ne pas le tuer, juste pour faire peur aux parents. Alors voilà, ça c'est cette théorie, hein, soit de la rançon, soit... Mais personnellement, j'y crois pas trop. Puisqu'au final, je veux dire, s'il enlève l'enfant, il est dans une situation de non-retour. Puisqu'au minimum, l'enfant va le reconnaître, va pouvoir parler. Donc soit il est obligé de le tuer, soit il est obligé de le rendre, mais une fois qu'il va rendre l'enfant, l'enfant va parler... Ça aura des conséquences. Donc moi, je pense que le kidnappeur, il savait vraiment ce qu'il faisait, il voulait le tuer. Voilà, comme on l'a montré sur les voitures vertes, on voit bien que ça fait plusieurs jours en fait qu'il fait le tour, il est près de l'école. Et je pense pas qu'il y a un plan magique qui va se dérouler comme prévu, mais il tente plutôt sa chance. Et c'est vrai que nous, quand on a refait ses chemins, on l'a ressenti aussi. On s'est un peu mis dans sa peau, et puis à certains endroits clés, voilà, devant l'école, dans les chemins de montagne, tout ça, on a vraiment ressenti ce que le corbeau a probablement lui aussi ressenti. Alors Isis, avec tout son vin, 150 bouteilles. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que non. Le vin, ça vient beaucoup plus tard. Il va d'abord, donc il a des Simons, l'enfant est est mort, ou enfin on sait pas trop, mais probablement mort. Il revient à sa voiture. Quelques mètres plus loin, il y a cette fameuse cabine téléphonique de Simons qu'on vous a montré dans la vidéo. Donc il passe l'appel à Michel. Là, il a pas encore de vin sur lui. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, il va se rendre au Champion. Il va acheter le vin. L'enfant est pas dans son coffre, hein, il est toujours à Décimon. C'est qu'à ce moment-là, en fait, qu'il va charger sa voiture avec du vin. Donc il fait pas tout ça avec du vin, c'est beaucoup plus tard qu'il retourne au Champion et ensuite au PMU La Renaissance. Et là aussi, beaucoup de questions. C'était pas très précis dans la vidéo. Quand il retourne en fait au Champion, Muriel Boll, dans cette théorie, qui n'est juste c'est juste une théorie, hein. Elle va rester avec lui dans la voiture tout le temps. Alors, Bernard n'a pas de voiture verte kaki. Oui, une façon dont on n'a pas dit qu'elle était verte kaki, la voiture. On a dit une voiture verte. Et c'est vrai qu'il y a débat là-dessus aussi. Est-ce qu'elle est vraiment verte ou est-ce qu'elle est gris fumé? Personnellement, après avoir vu quand même pas mal de photos, je pense que de dire qu'elle est gris-verte, c'est assez juste. Quand on regarde les images, on voit qu'il y a des teintes de gris, et on voit qu'il y a aussi des teintes de vert. Et au final, la plupart des témoins, ils vont le voir à proximité de champs, sur des routes où il y a des champs, donc beaucoup de verdure, tout ça. Et voilà, ma théorie personnelle, c'est de dire que l'environnement, en fait, va jouer aussi sur la couleur. Ça va refléter un peu sur le gris métallique, et au final, ça va donner cette couleur verte plus que grise pour les témoins. Oui, de toute façon, je voulais juste rajouter sur la voiture. Effectivement, on va pas mettre de la mauvaise foi. Hein. La voiture, elle est pas verte. Elle est bien. C'est bien des témoignages qui sont contradictoires. Hein. C'est que
D'une part, c'est jamais la même voiture, c'est parfois une Renault 14, une Renault 4, et c'est souvent des Renault même. Elle est toujours annoncée vert foncé. Il y a un peu de vert clair quand même de temps en temps. Et on sait bien que la voiture de Bernard, elle est vert et grise. Ça va dépendre du reflet. Donc, et on aurait dû s'attendre à avoir des témoignages qui annoncent au moins un qui annonce une couleur grise. Donc, on prend bien ça en considération. Sauf qu'on essaye de croiser, de recouper un maximum d'éléments sur quelque chose. Donc, on est toujours sur une théorie, hein. À aucun moment, on annonce qu'on est sur une grande certitude que ce soit Bernard Laroche, hein. On est bien sur ces témoignages de la voiture. Vu le comportement et vu les positions où il se trouve, on pense que c'est la même personne. Mais effectivement, les témoignages sont tous différents. La voiture est différente, la couleur est différente. Voilà. Malheureusement, on a cherché d'ailleurs sur, par rapport au fabricant, tout ça, si on pouvait trouver le nom exact, en fait, que donne Peugeot, mais on n'a pas réussi à le trouver. On a l'information, mais c'est un code couleur, donc c'est juste un numéro 500 et des poussières, mais ça ne donne rien comme information. Voilà, c'est pas une couleur qu'on peut nommer comme ça, quoi. Il n'y a pas de nom dessus. Ouais. Alors, le vert était une couleur à la mode, comme les moustachus et les rousses, bien sûr. Mais voilà, c'est compliqué. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette voiture, quand les gens voient les photos, il y a des gens qui vont dire elle est grise, d'autres qui vont dire elle est bronze, d'autres qui vont dire qu'elle est verte. Donc, c'est intéressant. Et je vois qu'il y a Tess Coygod qui nous dit « Roger Jacquel a une 4L vert foncé, non ?» D'après ce que je sais, donc le Jacquel, il a effectivement une voiture verte, mais c'est un vert très particulier. C'est un vert flushy. Voilà, vert pomme. Et la voiture de Jacquel, on l'aperçoit sur des reportages de l'INA. Et il me semble que ça a été même repris sur... on l'aperçoit sur l'usine de Tokusin sur le reportage Netflix. Donc on arrive à la voir. C'est un vert très clair, très fluo, quoi. C'est pas un vert foncé du tout. Alors, qui habite le plus près du supermarché Champion ? Zonka ou La Roche ? A priori, c'est La Roche, hein, qui habite le plus près. Parce que Grange, c'est plus loin que de Bruyères, que au Monzay. Voilà, Zonka qui est aussi un élément clé, je trouve, dans cette affaire. Un comportement vraiment atypique, il va changer de version. Donc, moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il a été influencé ou qu'il s'est passé quelque chose. Isis, tu demandes pourquoi Zonka s'est suicidé. Alors, faut dire qu'il s'est suicidé il n'y a pas longtemps, hein, je crois que c'était en 2003. Et on n'en sait pas plus au final. C'est un personnage assez mystérieux, un peu secret. Moi, j'ai essayé de trouver des images de Zonka, j'en ai trouvé que deux. Donc, celle que vous avez vue sur le document, et puis une autre photo que j'ai trouvée sur le site de Claude Inès, mais voilà, un personnage très effacé, presque mystérieux. N'hésitez pas à poser des questions, hein, c'est le but du live. Alors, question, a-t-on l'emploi du temps de Zonka? Pas vraiment. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que Zonka et La Roche, ils n'avaient pas les mêmes emplois du temps. Je sais pas si Zonka travaillait le matin ou l'après-midi, en tout cas, ils travaillaient pas en même temps, quoi, avec Bernard. Et Zonka, lui aussi, il était délégué syndical, il avait une position comme ça. Alors, pourquoi Zonka aurait-il voulu tuer un gamin de 4 ans? Non, je pense que Zonka, lui, il a rien à voir avec tout ça, c'est juste... il est juste rentré dans l'engrenage parce qu'il a servi d'alibi, en fait. Et c'est vrai que, bon, ce qu'on essaye de montrer dans la vidéo aussi, s'il n'y a plus cet alibi, et on voit qu'il y a des erreurs, en fait, notamment avec les Godel aussi, tout ça, en fait, Bernard, du coup, il n'a plus aucun alibi, hein. Donc Zonka, c'est un élément clé de la défense de La Roche, surtout.
Alors, quand Bernard va boire un verre au café pour son alibi, Murel reste dans la voiture et prend que Sébastien. Je pense que c'est Sébastien. Ouais, en fait, dans cette théorie, oui, effectivement, Murel elle reste dans la voiture. Que ce soit au champion, mais aussi au PMU. À ton avis, les Jacob n'ont aucun rôle dans cette affaire? Alors si, moi je pense que dès le début, les Jacob, ils ont corboté. Donc, ils ont participé à tout ça. On voit d'ailleurs que dès 82, les notes de téléphone sont très élevées chez les Jacob. Donc moi, à mon avis, en tout cas dans cette théorie, ce qu'on dit, c'est qu'ils ont corboté, et puis qu'à un moment, ils ont vu que ça allait trop loin. Ils ont senti que Bernard déconnait un peu, quoi, et ils ont arrêté. Mais en tout cas, ils ont participé un certain temps. Je vais donner le relais vite fait à Franck, parce que mon micro est encore en train de tomber. Désolé. Ouais, donc je vais essayer de prendre le relais sur Daniel. Parce que la pensée qu'on a, c'est qu'on a bien un groupe de corbotage qui se faisait sûrement avec les Jacob. Mais on a bien, en tout cas, ce qu'on a voulu faire dans notre réflexion, c'est bien séparer l'étape corbeau, la journée du 16 octobre avec le crime, et tout ce qui est. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez aussi là. Je pense que ça a coupé pour tout le monde. Ah, je pense que ouais. C'est bon. Moi, je t'entends donc. Ouais, mais je ne sais pas si ouais, ça coupe. Je suis de retour. Donc oui, on veut. Ce qui est important dans la réflexion, je crois que de toute façon, ce n'est qu'une hypothèse et en aucun cas, on veut indiquer que c'est une certitude. Pour nous, on n'est aussi pas que sur ces éléments-là. On a d'autres idées, etc. Mais sur la partie des responsables, il y a bien un groupe de personnes qui fait du corbeau, qui est un crime en soi, de harcèlement, etc. Il y a la journée du 16 octobre, qui n'est pas forcément les mêmes personnes du crime, mais au moins une ou plusieurs personnes qui ont participé au corbeautage. Et après, il y a la non-divulgation d'informations de gens qui peuvent savoir, qui sont après le crime. Donc tout ça, c'est à décomposer. Ce sont des crimes en tant que tels au niveau de la loi. Nous, on n'est pas du tout dans la partie légale. On fait juste un exercice psychologique et mental pour essayer de trouver une certaine vérité, du mieux qu'on peut faire en tant qu'amateur. Mais là, l'hypothèse qu'on met en avant, c'est essentiellement la journée du 16 octobre. Et le corbeautage, un tout petit peu, mais on n'a pas été très loin de ce côté-là. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est on voit qu'il y a Isabelle aussi qui est chez Bernard. Je pense que ça, voilà, c'est un élément qu'on n'avait pas avant. Et on voit que ça corrobore aussi avec les notes de téléphone, tout ça. On voit qu'elles sont très élevées en fait chez les Jacob aussi. Et pendant longtemps, on sait aussi que voilà Bernard, les Jacob, tout ça, ils se côtoyaient beaucoup. Voilà. Là, dans la théorie. En fait, c'est les enfants qui commencent à faire ce corbeautage. Ils viennent d'avoir le téléphone et les gamines quoi, elles s'amusent à passer des appels un peu potaches, tout ça. Il y a pas vraiment ce côté malsain derrière. Hein. C'est plus des appels. On aurait tous pu faire ça. Je pense qu'au moment où Monique en fait elle va reconnaître Isabelle et Valérie. Elle va en parler à Bernard et là, je pense que les adultes, en fait, au lieu de dire aux enfants voilà c'est pas bien ce que vous avez fait tout ça, ils vont eux-mêmes jouer à ça et ça va aller crescendo en fait, ça va être de pire en pire. À mon avis, ça va durer quand même un certain temps. Et puis là voilà, faut définir qui a été impliqué. Est-ce que Michel, Ginette, tout ça. Pour l'instant, je les ai un peu sortis de l'équation. Mais c'est pas impossible qu'ils aient participé. Par contre, pour le jour du crime, c'est un peu plus compliqué, je trouve, de les faire rentrer dans l'équation, même si ça reste pas impossible.
Alors, le magasin champion est à 3 minutes de Faïs, de Failly. À vol d'oiseau. Ouais, c'est pas trop loin. Alors, Margot, ça, on a déjà répondu. Où était Murel Boll quand il a été chercher son vin et son tchercé? Donc là, dans la théorie, voilà la piste de la roche. Il va rester, enfin, elle va rester dans la voiture tout le temps. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça d'ailleurs? Ça peut être intéressant d'aller un peu plus dans le détail. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est le moment d'arriver chez Bernard, en fait. Les deux vont se tromper. Donc, ils savent pas exactement qui est arrivé avant. Et puis, en plus, il y a des incohérences sur le programme télé. Je crois que Bernard va dire on regardait des clips de musique sur RTL ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils se trompent. Les deux vont se tromper. Ça va attirer un peu l'attention des gendarmes. Et donc là, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'au final, c'est là qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, vu qu'il y a quand même des traces de ce fameux vin, on sait qu'il a été acheté. Il y a un chèque. On peut imaginer, voilà, qu'ils vont que c'est au moment en fait où ils rentrent ensemble que dans leur déposition ensuite ils vont faire une erreur et ils se sont pas concertés là-dessus et c'est là que ça va transparaître au final. Alors, je suis en train de chercher des questions là. Sinon, parce que tout à l'heure j'ai vu aussi que ça parlait de Murel, on peut passer à Dame. Hein. Dame qui lui nous avait préparé une petite capsule en fait sur la déposition de Murel. C'est vrai que c'est particulier. On a souvent vu des comparaisons avec l'affaire Patrick Dils. Et au final, je trouve que c'est pas si juste que ça. C'est Dame qui m'a un peu éclairé là-dessus. Déjà, il y a une différence, c'est que Patrick Dils, en fait, il est directement accusé d'avoir commis un meurtre, tout ça. Là où Muriel, en fait, elle est surtout complice, dans le pire des cas, quoi. Donc, c'est déjà pas tout à fait la même situation. Donc, Dame, si tu veux, si t'es prêt, tu peux y aller. Oui, bonsoir à tous. Et vous m'entendez? Ouais, impeccable. J'aurais souhaité, dans la prolongation de l'excellent travail de Daniel et de Franck que tout le monde a vu la semaine dernière, faire réfléchir un petit peu tout le monde sur un point qui est bien précis et qui demeure troublant, en tout cas pour moi et pour nous. Ce point, vous le connaissez tous, c'est la rétractation de Muriel. Et plus particulièrement, le moment de cette rétractation, parce que vous savez tous que Muriel a été entendu par les gendarmes à plusieurs reprises. D'abord librement, puis sous le régime de la garde à vue, quand on va s'apercevoir qu'elle sait des choses et que visiblement, elle dit avoir été dans la voiture. Voilà. Je précise que nous savons que cette garde à vue a été annulée depuis. Mais pas ce qu'elle a raconté ensuite au juge d'instruction. En tout cas, vous connaissez le contenu de ces révélations. Mais ce qui est encore plus important, en tout cas pour moi, c'est ce qui va se passer après. C'est ce qui va se passer samedi après-midi et tout le dimanche. Parce que vous savez que, naturellement, que la gendarmerie va libérer Muriel à la demande du juge Lambert et qu'elle va informer les parents de Muriel des déclarations de leur fille. Et d'après, en tout cas, le colonel Sesma, dans son livre, le papa dira que Muriel est solide et que si elle a dit ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a dit la vérité. Mais comme je vous le disais il y a quelques instants, ce qui est le plus important, c'est ce qui va se passer juste après. Et juste après, c'est simple, il ne va rien se passer. Si on s'arrête un instant sur ce moment, Muriel Boll rentre chez elle, pas de pression. Ses parents sont au courant de la teneur de ses déclarations, nous dit le colonel Sesma.
Et on sait que ces déclarations portent sur des faits très graves qui visent quelqu'un de son entourage, chez qui elle demeure d'ailleurs régulièrement pour s'occuper de Sébastien. C'est Bernard Laroche, c'est le mari de sa sœur. Pourtant, il ne va rien se passer ni le samedi ni le dimanche. Et lundi, Muriel va confirmer devant le juge Lambert ses déclarations précédentes sans la moindre difficulté. On rappelle que ces dernières déclarations n'ont pas été annulées et que le juge va donc se transporter avec Muriel sur les différents lieux. Et puis, à la fin, il va faire arrêter Bernard Laroche et va l'inculper. La fin des fins, c'est la conférence de presse parfaitement improvisée du juge d'instruction, qui est un magistrat, qui est tenu en principe, au secret de l'instruction, qui est posé par l'article 11, que vous pouvez retrouver sur Internet, et qui dit notamment que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 378 de l'ancien code pénal. Alors la tentation de se mettre en scène va être trop forte pour le juge pour pouvoir respecter cette obligation essentielle qui était la sienne, c'était de se taire en fait, c'était de travailler et de se taire. Mais malheureusement ça, il va pas le respecter. Il va ficher en l'air tout le travail des gendarmes. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on l'aura vu à la télé, tout le monde va savoir que c'est notamment sur la foi des déclarations de Muriel que Bernard va être arrêté, inculpé et emprisonné. Mais la rétractation de Muriel, elle ne va intervenir que postérieurement, après, à tout le moins, une discussion familiale nécessairement assez tendue. Et donc, elle va se rétracter en disant qu'elle a été menacée de maisons de correction, c'est pas bien, en tout cas, il y a des gens qui ont crié. Mais si on réfléchit une seconde, au moment de cette rétractation et au moment de la dénonciation très timide de ces soi-disant pressions, eh bien, on va s'apercevoir que c'est assez compliqué, en fait. Moi, je voudrais que tout le monde se mette un petit peu, là, tout de suite, dans la peau de Muriel Boll. Donc, tout le monde... Chacun de nous, vous êtes chez les gendarmes sous la menace, vous êtes contraint d'avouer d'avoir accompagné un membre de votre famille, quelqu'un auquel vous êtes attaché et avec lequel vous habitez régulièrement, et vous l'accompagnez sur le, vous êtes obligé de dire, c'est pas vrai, mais vous êtes obligé d'avouer que vous l'avez accompagné sur les lieux d'un crime, dans des circonstances qui accusent cette personne d'y être mêlée. Et puis ensuite vous ressortez. Et puis vous êtes deux jours en week-end, et alors qu'est-ce que vous faites? Eh ben vous faites rien, vous ne vous précipitez pas pour dénoncer l'injustice qui s'abat sur vous, qui s'abat sur la personne que vous avez été contrainte de dénoncer. Vous n'informez pas la personne qu'on vous a obligé d'accuser. Vos parents ou vos frères, vos amis sont au courant, mais personne ne va le dire. Et puis lundi, vous allez répéter la même chose au juge d'instruction. C'est normal puisque tout est faux, mais c'est normal parce que vous allez continuer d'accuser le proche qui est innocent selon vous. Alors naturellement, chacun se fera son idée, ou s'est déjà fait son idée, mais la problématique demeure, c'est-à-dire que cette rétractation, elle n'intervient pas après la garde à vue, c'est-à-dire juste après le moment où elle dit avoir été forcée d'accuser Bernard. Mais elle arrive juste après que le juge d'instruction ait indiqué à la télévision, devant tout le monde, sur Antenne 2, c'était Antenne 2 à l'époque, pas France 2, que c'est un peu elle qui a fait qu'il a été inculpé. Voilà ce que je voulais relever, ce que je voulais dire, parce que moi, ça me paraît quand même important. Le moment de la rétractation, il n'est pas tout à fait logique. Et quand on s'aperçoit des déclarations, par exemple, Daniel en parlait tout à l'heure de Patrick Dils, il vient dire oui, mais moi, on m'a fait dire quelque chose, on m'a fait dire que c'était moi. Je suis sorti de la salle, j'ai vu ma mère quelques secondes après on m'a emmené, et après j'ai pas revu ma mère pendant des mois. Et là, effectivement, on l'a isolé pour pas qu'il puisse s'organiser, pour pas qu'il puisse parler. Je sais pas. En tout cas, il n'a pas pu le faire.
Et dans le cas de Muriel, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle passe quand même le samedi après-midi, sauf erreur, et le dimanche chez elle, avec ses parents, enfin, en tout cas, avec qui elle veut. Et elle, si elle estime qu'on l'a obligée d'accuser quelqu'un à tort parce qu'il n'y était pas, puis elle non plus, eh bien, je ne vois pas pourquoi elle va mettre plusieurs jours à venir le dénoncer. Voilà ce que je voulais dire, Daniel, sur ce point. Ouais, merci, c'est super intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que c'est particulier. Ça paraît évident qu'il y a ce changement suite à cette fameuse engueulade. Tout ça, c'est surtout ça qui va la faire changer d'avis. C'est vrai que si ce serait une injustice ou ce genre de choses, même si je mets pas de côté le fait que les gendarmes aient sûrement eu des excès de zèle, en fait. Et c'est pour ça que sur certains points, notamment à la Padoie, je pense que là, il y a eu un micmac. Ils sont pas non plus tout blancs, hein, les gendarmes, mais c'est vrai que c'est particulier. Elle aurait très bien pu en parler à sa famille bien avant. Et d'ailleurs, je profite que Dame soit là, parce qu'il y a aussi tout... Je veux pas appeler ça une manipulation, mais c'est vrai que il y a donc la garde à vue de Muriel Boy qui est annulée en 2017, et donc aujourd'hui, enfin moi quand je discute de l'affaire avec certaines personnes, ils vont me dire ben voilà, les gendarmes se sont mal comportés, ils ont fait une garde à vue qui était pas réglo, et c'est pour ça qu'elle était annulée. Mais au final, c'est un peu plus compliqué. C'est parce qu'il s'agit d'une garde à vue de 1984. Mais qu'il y a toujours une instruction en 2017, et entre-temps, les lois ont changé, et notamment la loi européenne sur les gardes à vue, tout ça, qui impose certaines normes, notamment d'avoir un avocat. Et donc effectivement, si on calque le droit d'aujourd'hui sur le droit de 1984, c'était pas réglo. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les gendarmes, eux, ont fait une garde à vue qui était totalement régulière, quoi. Il y avait aucune erreur de leur part. Et je pense que c'est important de revenir là-dessus. Peut-être que, Dame, tu peux, avec ton expertise, nous en dire plus. Oui, enfin, ce qui est certain, c'est que en 1984, les règles étaient beaucoup plus simples. L'avocat intervenait pas et Muriel a eu une garde à vue régulière, il n'y a pas eu de difficulté. Après, effectivement, au regard d'un certain nombre de choses, la justice aujourd'hui a annulé cette garde à vue. Moi, je ne vais pas commenter cette décision. Elle en bénéficie. Demeure ce qu'elle a pu dire au juge d'instruction. Et ce qu'elle a pu dire par ailleurs, en tout cas, ce qui est certain, et moi, ce que je voulais dire ce soir, c'est que tout ce qu'elle a pu dire sur le moment, en fait, elle ne l'a pas démenti tout de suite. Elle est allée le répéter devant le juge d'instruction, et ce n'est qu'après la grosse bourde, à minima la grosse bourde du juge d'instruction, que le lendemain, effectivement, dans des circonstances qu'on ne connaît pas, elle va changer sa version. Ouais, ben merci, hein. Merci. Je vois qu'auditeur dit « Aïe, aïe, Daniel, laisse le droit à d'autres, s'il te plaît ». Ouais, non, je confirme, je suis pas du tout bon en droit, tout ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, quoi. Donc voilà, s'il y a des questions de droit, on fera appel à Adam, qui est beaucoup plus compétent. Sinon, j'ai noté quelques questions. Donc on nous dit « Et la patronne de l'estaminet qui a entendu un couple s'engueuler sur le parking ?» Donc effectivement, on a cette information. Apparemment, ça provient de Denis Robert, dans un de ses bouquins. Donc apparemment, il y a une engueulade entre un couple sur le parking de Docelle, donc Place Lespine. Donc on entend un couple effectivement qui se dispute. Personnellement, je sais pas trop, parce que cette histoire, je l'ai vue que dans le livre de Denis Robert. Et après, je me suis posé la question, est-ce que si c'est vraiment un couple qui a fait ça, est-ce que c'est malin de s'engueuler à ce moment-là, quoi, et de se faire attraper? Je pense que des criminels de ce calibre ont l'intelligence de s'engueuler plus tard.
Je sais pas ce que Franck, par exemple, peut en penser. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a toujours à l'esprit, cette information-là, du couple qui est aux alentours de 20h, il me semble, près de la passe Lespine. Effectivement, comme tu l'as dit, nous, on ne l'a pas vu sur un PV, quoi, sur les parties du dossier qui traîne sur Internet. Donc peut-être que c'est le dossier, mais nous, on a juste l'information par rapport au bouquin de Denis Robert, qui est un peu trop juste pour nous, pour pouvoir s'appuyer sur ça dans notre réflexion. Mais contrairement à ce que tu dis, s'il y a vraiment un témoignage officiel de ça, ça signifie que ce ne sont pas des criminels qui seraient de ce calibre-là, comme tu es en train de le dire. Mmh. Donc, en fonction de... Nous, on ne l'a pas officiellement, cette info, donc on ne peut pas trop en tenir compte. Si on pouvait l'avoir, ça serait une bonne chose. Et là, on pourrait en déduire que les criminels sont pas peut-être très amateurs et pas aussi professionnels que ça. Et ou au moins la femme qu'on a entendue serait peut-être n'aurait pas compris en fait qu'un enfant allait être jeté ou autre. Je sais pas comment on peut prendre ça, mais c'est vrai que c'est un témoignage important. Par contre, le livre de Dean du Robert n'est pas suffisant pour nous. Exactement. Et du coup, je peux rebondir sur d'autres questions. Quel rôle a eu Isabelle Boyle dans l'enlèvement et les meurtres de Grégory? Alors voilà, là c'est pareil, dans la vidéo, dans la piste de la roche, nous on dit juste qu'a priori elle est reconnue par Monique et que du coup elle a probablement corboté. Encore une fois, ça c'est juste une théorie, moi j'accuse personne, mais ce que j'ai trouvé fascinant en tout cas en faisant quelques recherches sur Isabelle, c'est qu'au final elle a réussi à passer sous les radars, on connaît pas trop de choses sur elle. Contrairement à sa sœur Muriel, mais c'est vrai que bon, en regardant les chemins alternatifs pour retourner chercher le corps, comme on le dit dans la vidéo, effectivement, Bernard passe devant l'usine Seb où travaille Isabelle. Et donc Seb, c'est il fabrique des produits électroménagers, tout ça. Donc c'est comparé aux filatures, c'est quand même une entreprise plutôt de technologie. Donc on peut imaginer aussi que dans cette entreprise, il y a un téléphone un peu plus moderne, peut-être un téléphone à cadran. Mais voilà, ça reste que des suppositions. Et en tout cas, personnellement, moi, je serais vraiment intéressé d'en savoir plus sur Isabelle. On n'a pas grand-chose. Voilà, on a ces deux collègues de travail qui vont la dénoncer, plus ou moins, se dire qu'elle aurait avoué que Bernard avait jeté l'enfant, tout ça. Elle va toujours nier avoir dit ça. Et d'ailleurs, c'est une Jacob hein, qui va la dénoncer, je crois que c'est... J'ai oublié son nom, mais c'est une Jacob, hein, une proche, voilà, qui a un lien de famille avec la famille Jacob. Donc là aussi, je me suis dit, est-ce que c'est pas ces gens qui auraient entendu des choses et qui, par acquis de conscience, voilà, auraient fait un faux témoignage en parlant d'Isabelle, tout ça, pour que ça intéresse un peu les enquêteurs, quoi. Alors ensuite, j'avais noté, comment expliquer que Muriel n'ait pas reçu de recommandation de la part de Bernard Laroche? Ça, on peut pas savoir. Hein. En tout cas, moi, j'ai écouté le petit audio de la confrontation entre Bernard et Muriel, donc qui est enregistré. Il y a quelques passages qui sont quand même intrigants pour une jeune fille de 15 ans. Elle va notamment dire que les gendarmes lui ont crié 21 fois qu'elle allait se retrouver en maison de correction. Donc ça ressemble un peu à quelque chose qui a été appris par cœur. Donc on peut se demander voilà qui voilà d'où enfin comment ça se fait qu'elle a ce genre de réponse atypique. Et combien comment ça se fait qu'elle ait compté le nombre de fois aussi hein, c'est étrange. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Alors, Daniel, question. Et la femme ayant aperçu deux fois vers 18h un sac bleu dans l'eau, le corps de l'enfant et son anorak. Là, pareil, on peut, voilà, nous on fait une théorie, mais on détient pas la vérité.
sur ce témoignage, on voit qu'elle aperçoit une forme bleue, mais elle voit pas de, elle reconnaît pas un corps en fait, un corps d'enfant. Voilà, elle pense de suite que c'est un sac poubelle. Après nous, quand on a regardé un peu les images quand ils sortent le corps de l'eau, ça me paraît quand même difficile de penser que c'est un, de penser que c'est juste un sac poubelle quoi. Il y a des bras, une tête. L'anorak, enfin, à moins qu'elle ait des problèmes de vue. Mais ça reste une possibilité, hein. Peut-être qu'on se trompe. Et qu'elle a bien vu le corps à ce moment-là. Après, voilà, c'est bizarre aussi qu'il reste pendant presque, je sais pas, 6 heures au même endroit, sans bouger, tout ça. Alors, autre question. La cessation des activités du corbeau ne correspond pas à la période où Bernard a commencé à suivre des cours pour devenir contremaître. Alors, je crois qu'il va commencer à faire son CAP. Donc, il fait ça à Épinal, c'est en 1980. Et il va finir en 1982. Donc pas vraiment, en fait. Hein. Et puis, Épinal, c'est pas si loin que ça. J'ai pas plus d'informations là-dessus, je sais pas si du coup il est resté à Épinal ou s'il est rentré chez lui le soir ou s'il alternait les cours et le travail, tout ça. J'ai rien trouvé en fait, j'ai cherché mais je sais pas, peut-être que Franck, t'as plus d'infos. Non, pas plus que ça sur ce sujet. Ouais. Pas plus que toi, désolé. Alors Jean Médic qui nous dit bonsoir, vous pensez que René Jacob peut être un suspect? Pas vraiment. Après c'est un personnage intéressant, un peu marrant. Mais voilà, à part la petite anecdote où Adeline va lire cette fameuse lettre de Thérèse à ses enfants, et donc apparemment René a assisté à tout ça. À part cette petite anecdote, il n'y a pas grand chose, quoi. Après c'est possible qu'il ait peut-être des soupçons sur son frère, mais qu'il essaye de le défendre. Mais bon, on peut le comprendre. Alors, Bernard était-il vraiment contremaître? Alors oui, alors là par contre vous pouvez m'aider parce que j'ai pas les dates en tête, mais il devient contremaître quelques semaines avant le 16 octobre. Le 1er septembre. 1er septembre, voilà. L'oracle Franck a parlé. Donc ouais, vers le 1er septembre, il devient contremaître, et c'est vrai que c'est un peu troublant. Nous en privé, on en a souvent parlé de ça. On s'aperçoit que Bernard, il va toujours un peu suivre Jean-Marie. Donc ils ont un enfant à une semaine de différence. Ils vont construire une maison pareil à peu près à la même époque. Et puis sur la fin, il y a même Marie-Ange qui va s'acheter une voiture. Et au moment aussi où Christine a une voiture d'occasion. Et pour Marie-Ange, ce sera une voiture qui sera d'ailleurs neuve, la fameuse 305 verte ou grise selon les affinités. Et c'est vrai que moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que Bernard, il était vraiment si riche que ça? Enfin, est-ce qu'il allait si bien financièrement que ça? On entend souvent Marie-Ange qui dit, au final, on avait deux maisons, Bernard était contremaître, etc., etc. Mais quand on regarde la situation d'Ancel, de la filature donc de Grange, c'était pas vraiment le top, quoi. Quelques temps après, d'ailleurs, l'entreprise va fermer, enfin, on va être liquidé, je crois. Et donc, on peut se poser des questions. Oui, comment est-ce qu'il est devenu contremaître? Est-ce qu'il y a eu des contreparties? C'est particulier. Et donc, moi, j'imagine qu'à ce moment-là, il va pas très bien financièrement. Et d'ailleurs, j'ai eu l'info que Bernard et Michel voulaient ouvrir une scierie, en fait, ensemble. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils coupaient du bois, tout ça. Apparemment, ça marchait bien.
Et donc ils avaient cette envie voilà de créer leur propre entreprise. Et pour moi, ça a plutôt tendance à démontrer qu'ils n'avaient pas la sûreté de l'emploi, qu'ils essayaient déjà de se projeter en fait vers d'autres projets. Voilà, parce qu'au niveau des filatures, ça allait pas très bien. Alors Marie-Ange était majorette avec Christine aussi. Ouais, exactement. Je crois qu'il y a une histoire aussi. D'ailleurs, il y a une petite friction entre les deux, mais je sais pas exactement. J'ai un peu oublié. Suite à votre dernière vidéo, est-il encore possible de penser que Bernard Laroche soit innocent, selon vous? Je pense que oui, hein. Il reste toujours le doute, en fait. C'est difficile d'accuser quelqu'un, voilà, sans qu'il y ait une preuve, comme de l'ADN, par exemple. Là, ce serait, on va dire, le jackpot. Après, ce qui est intéressant, parce que moi, personnellement, en tout cas, quand je suis rentré dans cette affaire Grégory, j'étais plutôt, à défendre Laroche. Et au final, quand on prend un calque avec Laroche sur tous les éléments qu'on a, on voit que ça coïncide souvent avec Bernard, quoi. En tout cas, il y a la possibilité que ce soit lui. Là où d'autres suspects, en fait, il y a toujours quelque chose qui va empêcher de penser que c'est vraiment la personne. Alors, il téléphone depuis la cabine qui jouxte la poste. Visible sur toutes les photos d'époque, pourquoi se compliquer la vie? Personne ne sait ce qu'il a fait. Il n'a rien à se reprocher. Je sais pas, moi je pense que c'est risqué quand même d'appeler directement depuis la poste. Surtout qu'à ce moment-là, il vient de poster un courrier. Et à mon avis, en fait, quand il va à Décimon et qu'il a donc déposé le corps, il voit cette cabine. Et c'est plutôt l'occasion en fait qui s'offre à lui. C'est pas un truc super réfléchi. Mais Franck, il a vachement travaillé le sujet des cabines téléphoniques. Donc peut-être. Oui, bah pour le sujet de la cabine de l'éponge, bah c'est une des plus connues, où on a des infos par rapport aux autres. Mais la cabine de l'éponge, en fait, elle est celle qui est à côté de la poste, elle était installée le jour même. Donc on n'est même pas sûr qu'elle soit active le jour même. Et dans la préparation du criminel ou du meurtrier, bah, il pouvait pas s'appuyer sur cette cabine-là dans ses actes derrière. Donc ça réduit beaucoup le champ du travail, et je pense que dans ces cas-là, lors d'un crime, on n'est pas à improviser, il faut qu'il y ait au moins un schéma en tête pour faire l'acte, et je pense qu'il a suivi, en tout cas le meurtrier a suivi son schéma en tête sans se poser de questions sur cette cabine qu'il a découvert le jour même, quoi. Ouais, et sur la lettre, toi aussi, tu penses qu'elle était déjà écrite, en fait, hein? Oui, parce qu'en fait, la montée d'adrénaline au moment où il a réussi à attraper l'enfant, dire ce qu'il est, même s'il est préparé depuis longtemps, c'est quand même un coup de bol. Et puis surtout de croiser personne au moment où il est attrapé. J'imagine mal de pouvoir se poser calmement et de l'écrire, même si elle a été écrite à la va-vite. Je pense qu'elle a été écrite au moins un petit moment avant. Après, tout est possible, hein, mais moi j'ai un ressenti que c'est écrit avant, dans sa préparation mentale d'aller le chercher, mais pas juste après l'enlèvement, entre le moment où il attrape Grégory et le moment où il va poster dans la boîte. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est à peu près ce que je pense aussi. À mon avis, il doit avoir un petit fétiche comme ça. Il a sa lettre et ça fait quelques temps qu'il tourne, quoi. Et elle est déjà prête, en fait, hein. Elle est déjà timbrée, tout ce qu'il faut. Alors, du coup, parce qu'on veut pas faire un live trop long, voilà, parmi nous, il y a aussi Jean-Michel Vizen, que tout le monde connaît, hein. J'avais pas la peine de le présenter. En tout cas, Jean-Michel, lui, il a fait un petit documentaire, donc qui s'appelle comment ça s'appelait, la chronique des meurtres de la forêt. Donc c'était au-delà de l'épange. Donc il a fait un petit préquel, en fait, où il parle déjà un peu de ce thème. Donc c'est des meurtres qui se sont passés
dans le coin. Donc, il y a certains meurtres qui sont à quelques centaines de mètres du pavillon donc des Villemains. Et donc, Jean-Michel, salut, je te laisse. Oui, je suis là. Je te laisse en parler. Ah ben on commence par la question de base. Est-ce que tu m'entends quand je parle ? 5 sur 5. Ah ben alors, c'est parfait. Oui, justement, juste quelques mots sur les chroniques des meurtres de la forêt. Donc, c'est sur la chaîne. Ça correspond en fait à des meurtres dont on n'a plus parlé après l'affaire Villemain, parce que l'affaire Villemain, avec la surmédiatisation, elle a effacé en fait ce qui se passait dans la région entre 1977 et 1983, où il y a carrément plus qu'une demi-douzaine de meurtres particulièrement atroces et aussi près que des zones comme Décimont, Archette, Feilly, tout ça. Donc c'est vraiment un mouchoir de poche. Alors la particularité de ces meurtres qui se passent justement autour de l'Épange, c'est que pour la plupart d'entre eux, ils ont été non élucidés, mais ils ont donné lieu à des non-lieux justement, à part un. Donc dans la vidéo dont tu parles, Chronique des meurtres de la forêt, il y en a trois qui sont décrits de manière scénarisée. Alors la version scénarisée que j'ai écrite, elle est basée sur les archives journalistiques de l'époque que Daniel justement est allé chercher à la médiathèque d'Épinal, et en se basant sur tous les articles de journaux qu'on a trouvés de l'époque, j'ai pu scénariser ces versions. Alors c'est pas gratuit, je les ai scénarisées au début pour étaler les faits de manière simple, et ensuite nous allons enquêter sur place sur certains de ces meurtres qui sont très intéressants. Et justement dans ces meurtres là il y en a trois qui ont lieu en septembre, novembre et décembre 83, donc c'est carrément un an avant l'affaire Villemain. Ils ont lieu à Épinal, et là peut-être que Daniel va placer une photo parce que ça fait un lien, un certain lien avec l'affaire Villemain. Dans ces disparus d'Épinal, donc on appelle ça les disparus d'Épinal, ce sont trois très jeunes filles entre 17 et 19 ans, donc la troisième je crois qu'elle a un peu plus de 20 ans. Bien, on a déjà Sesma et Lambert sur l'affaire, et donc on a déjà un échec. Alors c'est peut-être de la malchance, mais en tout cas c'est un lien qu'il faut faire, au moins un lien par rapport au juge Lambert et à Sesma, qui sont déjà sur les filles d'Épinal, et qu'ils échouent déjà. Donc ça aussi c'est des investigations sur lesquelles on va travailler plus tard. Et j'enchaîne avec deux petits mots sur ce qui va se passer plus tard sur notre chaîne. Il y aura beaucoup de nouveautés, et notamment des interviews. Et j'ai réussi à obtenir l'interview d'un de mes vieux amis qui a fait 17 ans à la criminelle, qui est maintenant à la retraite, qui a participé à des enquêtes vraiment terribles. Et il est d'accord pour nous parler de toutes les techniques d'investigation, de son expérience et de tout ce qu'on ne peut pas comprendre quand on n'est pas vraiment enquêteur sur des crimes. Donc je pense que ça pourra intéresser pas mal d'auditeurs d'avoir accès à une personne comme ça qui nous explique tout ça. Enfin voilà, c'était pour les choses à venir. Donc Daniel, je te redonne la parole si tu veux ajouter des trucs. Ouais, non, mais très bien expliqué. Là, je suis en train de montrer donc les fameuses photos, j'en ai une qui est de meilleure qualité quand même, donc je vais essayer de passer celle-là. Hop. Et donc effectivement, c'est bizarre parce qu'en plus quand j'étais à Épinal, donc tu m'avais donné les références, j'ai cherché tout ça, et j'avais pas capté en fait qu'il y avait une photo où on reconnaissait carrément 16 maths, le juge Lambert, et puis il y a d'autres personnes qui reviennent aussi, notamment Corazi. Donc c'est assez particulier, c'est pour ça qu'il y a quand même un lien aussi avec l'affaire Grégory. Et donc comme tu le disais, oui, dans les prochaines semaines, on va essayer de voilà, de parler un peu de ce documentaire qui se prépare en coulisses. Voilà, oui. On va avoir l'occasion de revenir dessus et sur tous les autres sujets à plusieurs reprises, mais on donnera plus de détails au fur et à mesure en fait. Voilà. Ben merci Jean-Mi. Est-ce que toi, dans ces meurtres, il y en a un en particulier
voilà, qui t'a marqué ou... Oui, ouais, un particulier, surtout en l'écrivant, parce que bon, il faut bien se dire que quand tu scénarises un meurtre et que tu as devant toi tous les articles avec tous les détails, bon, il faut imaginer, et c'est pas de tout repos d'imaginer ce genre d'atrocité, parce que bon, je l'ai dit au début, mais je le répète, les meurtres qui ont eu lieu sont particulièrement atroces, et notamment celui de la jeune Evelyne Riva, donc qui est assez spécial, donc qu'on retrouve violé et mutilé dans la forêt d'Archette. Donc celui-là m'a particulièrement intéressé, et on a pu retrouver, merci à Espoir d'ailleurs, qui a fait un super travail pour ça, mais on a pu retrouver le juge qui était en charge de l'affaire, le substitut du procureur et les deux gendarmeries qui se sont occupés de l'affaire. Donc j'ai commencé à prendre des contacts pour essayer d'avoir accès au moins à des pièces et à des peut-être au dossier d'instruction, puisque c'est prescrit, pour pouvoir me pencher là-dessus beaucoup plus en détail, en fait. Ouais, c'est vrai que Rivat, c'est particulier, mais en tout cas, on voit qu'encore une fois, dans ce coin, qui est pourtant très paisible, hein, pour y avoir été, surtout l'été, c'est presque le paradis, hein, c'est idyllique, les gens sont sympas, c'est propre, tout ça, mais on voit que qu'à cette période-là, et voilà, ça concorde aussi un peu avec l'affaire Grégory. Il se passe vraiment des choses atroces. Moi, ouais, c'est ça. Et puis vous êtes allé sur place. En plus, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer pour moi ou même pour les auditeurs. Mais vous qui êtes allé sur place, quand tu vois la distance entre Féi, Décimon, Dossel, L'Épange, et que tu te dis qu'entre 77 et 83, tu as eu carrément une demi-douzaine de meurtres qui sont dignes de films d'horreur, tu vois, sur un périmètre aussi restreint. Tu te dis quand même, c'est l'ambiance sur place dans ces années-là, ça devait pas rigoler. Hein. Non, ça avait pas l'air de rigoler, ouais. Puis ouais, c'est atroce, quoi. Après, voilà, à Épinal, il y a eu quelques suspects, mais ça a jamais vraiment suffi à inculper des gens. Et d'ailleurs, je me pose la question si ça peut influencer ensuite, que ce soit la gendarmerie, mais aussi le juge Lambert, sur l'affaire Grégory. Parce que là, il y avait déjà un premier échec, en fait. Donc peut-être que sur l'affaire Grégory, ils avaient besoin de résultats rapides. Donc ça peut expliquer aussi, voilà, certains accès de zèle, tout ça. Même si je remets pas en question la compétence des gendarmes, en tout cas. En tout cas, tu as raison, parce qu'ils sont avant tout humains, et on peut imaginer que un tel enchaînement de non-lieux, de non-élucidés et d'échecs, au bout d'un moment, ça doit peser, hein, sur tes décisions ou sur ton comportement. Hein. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'aller au fond du truc pour vraiment voir ce qui s'est réellement passé, pourquoi on n'a jamais su qui avait fait ça. Et voilà. Donc merci à toi, Jean-Mi. Je vais essayer de changer l'interface là. Hop. Franck, voilà. Daniel, je vois que sur le chat, on parle à plusieurs reprises de la camionnette blanche ou qui avait travaillé sur les véhicules. C'est intéressant, cette camionnette blanche où on voit des gens avec des jumelles. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que toi, t'as des conclusions là-dessus, personnellement ? Ah, moi j'en ai pas, mais je sais que vous aviez travaillé sur les véhicules et ça des gens avec des jumelles, je crois, sur les hauteurs de Décimon, je crois, c'est ça. D'où on voit très bien le pavillon Villemain en descendant sur la rue de Bellevue, hein, c'est ça. Voilà, en fait, il est vu deux fois. Il est vu sur les hauteurs vers le fin Vérel, et il est vu aussi près de l'école. À l'entrée de Décimon, en fait, parce que comme le disait Franck dans sa capsule, les routes étaient un peu différentes à l'époque. Personnellement, j'ai un peu planché là-dessus, mais j'ai pas encore réussi à trouver de lien. Je sais qu'en 2017, ils ont fait lien avec Jacqueline Jacob et Marcel,
Mais j'y crois pas trop, pour être honnête. Hein. Je pense que c'était. On sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cambriolages. Donc il y avait beaucoup de gens qui rôdaient un peu comme ça autour des maisons. Et puis s'ils trouvaient une maison qui était pas habitée ou enfin ce genre de choses, ben ils braquaient les maisons, ils prenaient tout. Donc c'est vrai que ça peut ressembler à ça aussi. Hein. On a des gens avec des jumelles donc qui regardent un peu ce qui s'est passé. Une camionnette, ben, c'est toujours pratique pour voilà pour ramener le butin. Donc il y a peut-être de ça aussi. Mais c'est quand même un élément voilà qu'on a laissé d'ailleurs dans dans la vidéo les voitures vertes parce que c'est peut-être des complices ou des choses comme ça. Et Daniel, si tu me permets, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la voiture verte. Alors je suis pas du tout dans l'affaire Villemain, hein, je veux dire je connais que ce que vous en dites tout ça, mais je voudrais rajouter un truc pour que les gens l'aient à l'esprit. La couleur verte, c'est la couleur que l'humain peut voir avec le plus grand nombre de nuances, avec toutes les difficultés que ça implique. Et quand on ajoute à ça le vocabulaire pour décrire la couleur verte, on peut tout à fait comprendre qu'il y ait des dizaines de versions de vert. Parce que le pire qui pouvait arriver, c'est que la voiture soit verte. Comme je dis, c'est la couleur qui est le plus difficile à décrire pour l'humain. Donc c'est quelque chose qui doit rentrer en compte aussi. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Hein. C'est vrai que ben moi j'ai fait le test en fait parce qu'au début moi je la voyais plutôt grise en fait, hein, pour être honnête, gris vert avec des teintes de vert dessus. Ben, et puis je me suis amusé à montrer la photo même à des gens proches quoi, mais qui ont rien à voir avec l'enquête. Et elle est quelle couleur cette voiture? Et là pareil, j'ai eu toutes les versions possibles. Ouais. Donc effectivement il y a quelque chose avec cette couleur. Et moi, je voulais rajouter quelque chose pour la voiture blanche, la camionnette blanche, si je peux me permettre. C'est juste qu'on a un post sur le forum Justice pour Valvary, où Erio, gentiment, a posté une photo du lieu. Alors, je ne sais plus comment s'appelle ce lieu, qui est indiqué comme être sur les hauteurs de Décimon, vers elle, ce qui est le cas, mais d'où on verrait les maisons de Jean-Marie. Effectivement, on aperçoit bien ces trois maisons, mais on est dans une position où bon, là, la photo était de maintenant assez récente. Donc, avec les arbres, on sait que ça a été modifié, mais elle n'est pas très très bien placée. C'est pas un endroit où on voit parfaitement la maison. Il y a bien plein d'autres endroits où on pourrait les voir plus facilement. Et il se trouve que c'est un lieu aussi, un des rares lieux du coin qui est touristique. Il y a le rocher, je ne sais plus le nom du rocher. Donc ça peut être aussi tout simplement des touristes qui se promenaient autour du monument ou du lieu de visite qu'il y avait dans la région et pas forcément des gens impliqués au crime. Donc il faut bien sûr les garder à l'esprit, comme ceux de... J'ai aucune explication pour la camionnette qui est sur la route de Décimon, à l'entrée de Décimon, qui est la partie de la départementale de l'époque. Mais en tout cas, on peut avoir émettre un doute sur le témoignage de la jumelle autour d'un lieu touristique. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais trouvé un article de Vosges Matin qui parlait de cet endroit. Je l'ai plus en tête, mais c'est genre le fourneau du diable ou quoi. C'est un nom particulier en plus. C'est à la tête du fourneau. Merci. La tête du fourneau, voilà, c'est ça. Et donc, c'est un endroit quand même assez ancien. Il y avait déjà, je pense, des cultes païens, des choses comme ça, à cet endroit. Donc, j'avais trouvé 2-3 articles de Vosges Matin qui parlaient de ça. Il y a beaucoup de randonnées, des choses comme ça qui sont organisées là-bas. Voilà, comme disait Franck, hein, on garde ça de côté, mais voilà, c'est pas obligatoirement quelque chose qui est lié à cette affaire. Alors, pas de questions. Salut à toi, Voodoo. Toujours fidèle au poste. La lettre de Thérèse Laroche à sa mère a-t-elle vraiment été écrite et que disait-elle à votre avis? Alors oui, la lettre a existé, ça c'est sûr, puisqu'on a plusieurs témoignages. Après, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Telle est la question. Apparemment, d'après... comment il s'appelle?
pas René, mais enfin d'après un des frères qui était présent lorsque la mère Adeline a lu cette lettre, Thérèse a apparemment demandé à ce qu'on appelle son fils Bernard, Albert, excusez-moi, c'est tard. Donc apparemment, elle voulait absolument qu'on appelle Bernard, qu'on lui donne le prénom Albert. Donc ça a l'air fiable. Après, on n'en sait pas plus. Hein. Alors, il y a une question pour Franck. Franck, pourquoi tu écartes les Jacob dans le crime ? Alors, j'écarte pas forcément les Jacob. Hein. C'est dans notre hypothèse, il faut aussi une narration et nous avons pris la narration. En fait, on a un univers d'auditions, de preuves, etc. Et on essaye de relier un maximum de points à tout ça. Et donc, on s'est focalisé sur déjà, est-ce que Bernard Laroche peut rentrer dans tous les témoignages qu'on peut avoir, etc. Donc là, la vidéo qu'on a faite, c'est une narration linéaire pour mettre la roche de but en blanc tout le long. Sur notre hypothèse aussi, on a évoqué le fait de deux étapes pour le crime. D'abord le meurtre, et ensuite il y aura un retour à Décimon pour récupérer l'enfant et le déplacer à Docelles. Dans cette deuxième étape, bien entendu, il peut avoir aussi des complices à tout ça. C'est pas forcément Bernard Laroche. Non, on a voulu avoir essayer de donner une explication assez claire pour tout le monde, mais on a plein d'hypothèses aussi autour de complicité, mais la complicité aussi impose, complexifie énormément le crime, et donc il faut des liens pour communiquer ensemble, vu que Grégory, personne ne savait qu'il pouvait être là à cette heure-ci et attraper à ce moment-là. Donc il faut bien communiquer par téléphone. Et au vu de toutes les cabines téléphoniques, en tout cas qu'on a réussi à peu près à trouver, sans être sûr qu'elle soit le 84, la communication par cabine téléphonique n'est pas facile et évidente. Donc ensuite, il y a peut-être des lieux autres pour pouvoir appeler, mais on n'a pas réussi à démontrer ça encore pour le moment. Donc j'exclus personne, hein, j'exclus personne. On essaie d'avoir un travail assez cohérent. Sur tout ce qu'on a comme information. Les Jacob, ils sont... moi, j'ai une hypothèse sur de crime, mais plutôt de corbeautage, et non pas de meurtre. Mais là, ce n'est qu'un avis. J'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, etc. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Une possibilité qui reste quand même possible, voilà, ça fait partie des questions qui ont été posées en commentaire. Comment il l'a fait, en fait, pour modifier sa voix? C'est-à-dire, si c'est vraiment lui, il va à la cabine téléphonique, et quand il appelle Michel, si cet appel a vraiment existé, il a quand même la voix du corbeau. Donc Michel, lui, va dire que le mec était un peu plus énervé que d'habitude, tout ça, mais bon, ça reste le gars, quoi. Le gars à la voix rock. Donc, on peut imaginer aussi, voilà, qu'il y a un complice qui, lui, a cette voix, en fait, et que c'est pas Bernard qui appelle, et que Bernard, lui, à la cabine, en fait, il va juste prévenir le complice, qui, lui, chez lui, par exemple, avec tout son attirail, va ensuite appeler, par exemple, Michel. C'est une théorie, mais elle est fondée que sur des réflexions, c'est juste une piste, quoi. Ensuite, j'ai vu une autre question de Iria. Quelqu'un a demandé l'effet de l'insuline sur un enfant non diabétique. Donc, a priori, l'effet de l'insuline sur un non-diabétique, c'est le même hein, que sur un diabétique. Le seul élément, c'est que, bon, un non-diabétique, lui, va avoir un taux de glycémie qui sera normal. Donc, il sera entre 0,7 et 1,2. Donc, effectivement, si l'insuline prend effet, il sera déjà assez bas. Donc ça baissera encore plus. Mais si c'est un diabétique, par exemple, qui a un taux de glycémie qui est bien réglé, il y a aucune différence. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, dans les muscles, dans le foie, on a beaucoup de sucre aussi qui est là pour réguler s'il y a un trop d'insuline, par exemple. Donc même si on met une piqûre d'insuline à quelqu'un, même à un enfant, avant qu'il tombe dans le coma,
il y a toutes ces réserves qui vont être exploitées en fait par les cellules, enfin par le corps pour contrecarrer ce trop d'insuline. Donc c'est vrai que moi la thèse d'un endormissement par de l'insuline, tout ça, j'ai du mal à y croire, même si c'est quand même possible, hein, s'il y a une dose assez suffisante et que le kidnappeur a attendu assez longtemps, c'est pas impossible, mais c'est peu probable. Daniel, insuline lente ou rapide? Donc là, l'insuline qui a été trouvée à Docelle, c'est une insuline lente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une insuline lente, elle va mettre encore plus longtemps avant de prendre effet. Et je pense que même s'il lui a mis le petit flacon en entier, c'est pas suffisant pour le mettre dans un coma, dans un laps de temps de 2 heures, quoi. Ça voudrait dire qu'il a piqué l'enfant et qu'il a attendu 2 heures. Et si on se base d'ailleurs sur l'autopsie, il n'y a pas non plus d'adrénaline. Alors que d'après moi, l'insuline, ça va, enfin, une hypoglycémie, ça génère aussi un grand stress pour le corps. Donc il y a quand même pas mal d'hormones qui sont sécrétées, notamment de l'adrénaline. Donc même si on se base en fait sur l'autopsie, c'est peu probable. Margot Lulu, comment avez-vous eu l'idée de soupçonner Isabelle Boll? Alors moi, c'est vraiment par hasard, en fait, hein. Donc j'étais en train de préparer le documentaire et je regardais des photos, et puis tout d'un coup, j'ai fait « Oh tiens, elle a pas du tout le même aspect que d'habitude Muriel sur cette photo. » Et donc j'ai regardé la légende et j'ai vu que c'était pas Muriel, mais que c'était Isabelle, en fait. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à elle. Je suis revenu un peu sur l'histoire avec Monique, qui va la reconnaître au téléphone au tout début. Et c'est comme ça que je suis tombé sur elle, quoi. Donc j'en ai parlé à Franck, et lui, il m'a dit « Ah ouais, tiens, en plus, elle a quand même 20 ans au moment du crime, et je pense que ça a été l'élément clé. » C'est que tout d'un coup, on n'avait pas affaire à une petite fille de 14 ans, mais à une personne adulte de 20 ans. Donc là, ça correspondait totalement au profil de ce corbeau féminin, qui a notamment appelé Jean-Marie avec une voix hystérique, et Bernard aussi, hein, qui a apparemment reçu un appel lors de la Saint-Valentin. Il était avec, je crois qu'il était avec Jackie, sa femme, donc Liliane aussi, et Bernard. La Saint-Valentin, ils reçoivent aussi un appel, et cette voix féminine hystérique lui dit « J'ai envie de toi ». Et donc là, je me suis dit aussi peut-être que ce jour-là, comme c'était la Saint-Valentin, Valérie et Isabelle étaient peut-être seules chez les Jacob, qui eux étaient partis en vadrouille, et c'est peut-être comme ça qu'il y a eu cet appel aussi. Alors, dans un live avec Louisette, j'ai fait remarquer qu'Isabelle Boll était le sosie de Muriel il y a quelques mois. Ouais, ben bravo, hein. Mais voilà, c'est un personnage fascinant parce que elle disparaît complètement des radars et c'est Muriel qui va tout prendre sur la tête, quoi. Alors qu'en fait, c'est Isabelle qui a habité chez Bernard jusqu'en juillet 1984. Et c'est que suite à son départ que Muriel prend le relais et s'occupe de Sébastien. Alors Michel a dit à Jean-Marie Villemain le jour de l'enlèvement que le corbeau avait enlevé Grégory. Ils se sont tous précipités à la forêt et quelques heures après, Michel précise qu'il est dans la Vologne, une couverture. Oui, le 16 octobre, le comportement de Michel est atypique. Personnellement, j'ai la conviction que quand il reçoit l'appel, je pense qu'il a vraiment reçu cet appel
qu'à ce moment-là, en fait, il va reconnaître le corbeau. Peut-être même qu'il a participé jusqu'en 83 à ce corbeautage un peu potache, et qu'au moment de voilà où il réceptionne l'appel, il comprend de suite ce qui vient de se passer. Il comprend que c'est probablement Bernard, et donc il commence à péter un câble, en fait. Voilà. Après, on n'était pas sur place, donc je sais pas vraiment si Michel a voulu cacher ou s'il avait peur de tout balancer. En tout cas, il a été placé en garde à vue. Ouais. 15 heures en plus, donc, enfin, je sais pas combien de temps il est resté, mais il est mis en garde à vue le soir et il sort le lendemain à 14 heures, donc c'est une longue garde à vue, ouais. Alors, beaucoup de questions sur les nœuds, les cordelettes. Peut-être que Franck, il peut vous répondre à ça, parce que lui, c'est vachement intéressé aux nœuds. Il est revenu aussi beaucoup sur la façon dont ces nœuds ont été faits, donc c'est les fameux nœuds de tisserand. Et donc, dans une capsule, il a montré un truc que je trouve super intéressant. C'est que le corbeau, il a fait ses nœuds de tisserand, mais il a fait une boucle supplémentaire qui permet de défaire, en fait, ces nœuds. Et donc là aussi, ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier, je pense, se demander pourquoi est-ce qu'il a laissé en fait la possibilité de d'enlever ses cordelettes. C'est intriguant. Ouais, je me suis pas vachement intéressé aux nœuds, mais effectivement, le problème c'est qu'on n'avait pas d'infos. En rapport à l'affaire, comment il était fait. On lit plein de théories sur, bon, bah, ils sont pas serrés, donc, les nœuds servaient à rien, c'était que symbolique, ou, ils sont là pour qu'ils se noient dedans, ou etc. Donc, on voit un peu tout. Pour comprendre, bah, j'ai tenté de les faire, pour voir que moi, je sais pas faire de nœuds, hein, c'est pas du tout, j'ai pas de talent pour faire de nœuds, je sais à peine faire mes lacets, donc j'ai essayé de voir si j'y arrivais. Ça m'a pris une dizaine de minutes pour réussir à faire le nœud de tisserand. Donc, on n'est pas obligé de travailler à l'usine, dans des usines de tissage pour savoir en faire. Je voulais savoir quand les nœuds sont pas serrés, quand il y a du tirage, soit de quelqu'un ou autre, est-ce que ça allait serrer les nœuds? Et effectivement, on voit bien avec le nœud simple de tisserand, dès qu'il y a un peu de tirage, le nœud se serre totalement. Et par contre, il devient très dur à défaire. Si la corde est grosse, ça se défait simplement. Si la corde est fine, comme c'était le cas pour Grégory, bon bah c'est un peu plus dur, ça se défait bien sûr, hein, mais c'est un peu plus dur à défaire. Et on voyait, j'avais aperçu sur les scellés qu'il y a bien une boucle qui est présente. Donc j'ai reproduit tout simplement la boucle, hein, pour voir l'utilité. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était une boucle qui permettait d'enlever facilement. Donc de là, on peut déduire grossièrement deux choses. C'est de se dire que c'est possible qu'il ait voulu attacher et défaire aussitôt que c'était possible de faire le nœud, et comme c'était un meurtre à la douce, que l'enfant soit aussi rapidement défait de ses nœuds. Il y a peut-être une volonté autour de ça, mettre un peu de douceur dans ce crime odieux. Ça, chacun a son idée là-dessus. Et après, ça peut être aussi tout simplement un automatisme, d'avoir l'habitude d'avoir de faire les ballots avec facilité de desserrer ou de retirer les nœuds. Donc je pencherai plus sur cette deuxième hypothèse, mais ce n'est qu'un avis. Je ne sais même pas les ballots qui étaient faits dans les usines de tissage. Ouais, c'est peut-être un réflexe pavlovien, en fait. Ouais, c'est fort possible. Après, il y a quelqu'un qui posait la question aussi, pourquoi 3,7 mètres? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il avait presque trop de cordes, qu'il a enroulé autour comme ça. C'est un drôle de... Je sais pas, Franck, toi, si t'as une idée là-dessus. Non, après, on pourrait imaginer dans notre hypothèse que la corde était dans le coffre de la voiture et qu'il a pris la totalité, qu'il n'allait pas ronger la corde avec les dents pour la couper. Et après, c'est très grossier ce que je dis, hein. Non, j'ai pas d'idée sur ces 3 mètres-là. C'est même étonnant d'avoir une corde aussi grande.
Ouais, moi, ça m'a toujours fasciné, en fait. Pourquoi est-ce qu'il va attacher l'enfant? Ça, j'arrive pas à comprendre. Alors, on essaye de trouver des théories, des choses qui peuvent faciliter la compréhension, mais au final, ça a aucun sens. Mais c'est vrai qu'avec la théorie de Desimons, ça change tout. Si sa première idée, c'était vraiment de le déposer à Desimons sur le petit bout de Vologne qu'on vous a montré, il y a peut-être une raison, peut-être qu'il est déposé à un endroit précis, qu'il est rattaché à un bout du pont ou sous le pont, enfin une chose comme ça. Et qu'en fait, c'est beaucoup plus tard qu'il retourne à Desimons pour une raison inconnue. Il a peut-être été vu, tout ça. Mais c'est vrai que cette cordelette, c'est encore un mystère que j'ai pas réussi à élucider, quoi. Alors sinon, je vois qu'il y a Voodoo aussi qui parlait du 14 février. Donc 14 février, d'habitude, chez nous, c'est la tradition. Il y a Voodoo qui fait une petite émission de la Saint-Valentin. Donc l'année dernière, c'était Voodoo Soul Valentine. Voilà, si vous êtes dans les parages le 14 février, vous pouvez passer sur la radio, il y aura un peu de musique dans la bonne ambiance. Bon, je pense qu'on va faire un dernier tour de questions, et ensuite on passera à une dernière capsule de Franck. J'ai pas encore eu le temps de la voir parce que on a fait ça un peu en dernière minute. Mais Franck a essayé de revenir un peu aussi sur le profil psychologique du corbeau. Voilà, c'est un exercice assez intéressant, je trouve. Parce que c'est quand même un personnage, il est atypique, il est intrigant, mais il a quelques caractéristiques, en fait, assez uniques, hein, assez singulières. Et donc, je pense que Franck, toi, t'as fait le rapport aussi, peut-être un peu avec le vécu de Bernard, s'il y avait des choses qui pourraient expliquer un certain comportement. Oui, alors, par contre, bon, pour te reprendre, là, moi, c'est juste ma voix qui est posée sur la capsule, mais c'est un travail d'un ami du groupe qui travaille avec nous, qui, je sais pas s'il veut qu'on parle de lui, donc j'en parlerai pas pour le moment, mais ça ne sera que ma voix, pas mes idées. Et effectivement, nous, tous ensemble, on a travaillé sur la psychologie et on essaye d'aller un peu plus loin, mais sur la vengeance et le crime par la vengeance, qui est intéressant à creuser et d'essayer de faire un rapprochement. On n'est pas des professionnels de la psychologie, bien loin de là, et donc ce sont que des caricatures un petit peu pour permettre d'avancer, mais en aucun cas on a rencontré les personnes de l'affaire et on peut se permettre de démarrer le stream. Et donc normalement, si tout va bien, on est de retour à l'antenne. Désolé. Normalement, ça devrait revenir d'ici quelques secondes. Et j'en profite pendant que les gens sont encore sur l'ancienne image ou sa bug pour récupérer cette vidéo. Mais je sais pas ce qui se passe. Alors, hop. Est-ce que vous nous entendez là? C'est de retour? C'est bon, ok, c'est bon, on est de retour. Donc Franck, je suis désolé, je pense que le logiciel est en train de bugger. Mais par contre, je peux passer juste l'audio, si t'es d'accord ou... Ah oui, pas de souci. Donc vraiment désolé. Aucun problème. Ok, alors je vois qu'il y a Siané, salut Siané, qui nous a fait une question. Je vais regarder vite fait la question de Siané. Le problème, c'est que si tu passes que l'audio, il n'y aura pas les titres entre les textes, et donc on risque de ne pas trop comprendre, quoi. Attends, je vais refaire un test, et désolé si ça rebug. Sinon, tu le mettras unitairement après, a posteriori. Ouais, attends, je vais essayer. De toute façon, on est entre nous, hein. On n'est pas beaucoup. Donc, hop. Ok, ça a l'air de marcher. Ça va, on a eu de la chance. Hop. Du coup, voilà, je vous propose de regarder ça.
Et puis si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'on va pas tarder non plus. Donc je lance la capsule de Franck avec un ami qui souhaite garder l'anonymat et on le remercie en tout cas pour son travail. À tout de suite. Cette analyse du profil psychologique du corbeau n'a pas pour but de découvrir l'assassin, mais de mieux comprendre son comportement. Cette approche consiste à généraliser des caractéristiques comportementales partagées par d'autres criminels étudiés par le passé pour le même type de crime que l'on pourra ensuite attribuer à un individu. On peut détailler trois caractéristiques comportementales communément observées chez les corbeaux. Tout d'abord, ils se font dans le décor, ne se montrent pas ouvertement agressifs et apparaissent comme étant au-dessus de tout soupçon. Ils attachent une importance particulière à la respectabilité et aux valeurs morales. En second, il éprouve une grande frustration par rapport à sa propre réussite, argent, héritage, mariage, etc. Et pour finir, il fait partie de l'entourage géographique de ses victimes, ce qui lui permet de jouir de ses méfaits. Cette approche s'appuie sur l'interprétation des preuves légales afin de déduire le profil et le comportement du criminel. La zone géographique du crime est restreinte. Les actes criminels sont concentrés sur un petit périmètre. Dans les courriers, on remarquera l'utilisation d'un vocabulaire infantile, pouvant témoigner d'une certaine immaturité relationnelle chez le corbeau. Le corbeau n'a pas le courage d'affronter sa victime, qu'il surnomme le balèze. Le corbeau prend souvent comme prétexte la défense de l'un des membres de la famille, mettant en lumière les atteintes à ses propres valeurs morales. Le corbeau se sent invulnérable, il dit d'ailleurs pouvoir aller chez sa victime quand il le souhaite, sans crainte d'être démasqué. Il a ses propres règles et ses propres lois. Le corbeau homme a un sentiment de vengeance axé sur la réussite professionnelle, le chef, maison, l'argent, l'épouse et l'enfant. On peut penser que ces thèmes sont un sujet de frustration et de jalousie chez lui. Il est très bien renseigné sur la famille et montre une envie menaçante de passer à l'action dès le début du harcèlement. L'usage d'insultes à caractère sexuel désignant le sexe féminin et misogyne est très répandu dans les lettres. L'assassin a couvert le visage de Grégory avec son bonnet. On peut supposer qu'il connaissait sa victime ou qu'il ne pouvait pas supporter son regard pendant l'agression. Le corbeau est intégré à la vie sociale. Il peut être marié, probablement employé. Il a une aptitude prononcée pour la récupération d'informations et l'ingénierie sociale. Il manipule facilement son entourage et connaît une réussite sociale bien qu'il puisse être considéré comme quelqu'un d'effacé. Il est d'intelligence moyenne par rapport à la population générale, les tueurs les plus intelligents préférant des méthodes de meurtre plus complexes. Des mouvements suspects autour du domicile de la victime sont repérés avant le crime. On peut donc noter une certaine frénésie chez le criminel. Le crime est doublement revendiqué, ce qui pourrait indiquer à la fois la préméditation ainsi qu'une certaine forme d'impulsivité. La victime ne semble pas avoir subi de violence. On peut penser que sa mort a été rapide suite à son enlèvement. Il a su mettre la victime en confiance en usant de stratagèmes. Le corps sera retrouvé au centre du village de Decelles, endroit très fréquenté. On peut penser que l'assassin souhaitait que le corps soit retrouvé rapidement. Le ligotage semble être une mise en scène pour que la piste accidentelle soit écartée. De plus, la double revendication semble accréditer cette hypothèse. Le mobile du crime semble résider dans un désir profond de vengeance. Cette violence est subie comme une réponse à une autre violence dont le corbeau s'estime lui-même victime. Il n'y a cependant aucune commune mesure entre ce qu'il fait et ce que d'autres lui auraient fait. Ce fantasme de la vengeance pourrait être le résultat de traumatismes précoces, comme une séparation dans l'enfance, par exemple. Cette lutte contre la désorganisation traumatique, l'angoisse, la peur du vide, devient alors un acte de survie.
Et nous voilà de retour. Donc merci, merci Franck et son acolyte hein, qui a écrit ce texte. Voilà, pour essayer de voir un peu plus le profil de ce corbeau. Comme je disais, il y a des caractéristiques assez intéressantes, notamment un terme qui est souvent utilisé aux USA, malheureusement en France, on n'a pas trop étudié le sujet, même si on parle de harcèlement. Mais voilà, aux États-Unis, ça fait longtemps qu'il y a une grosse littérature hein, sur ce qu'on appelle les stalkers. Donc c'est des gens voilà, qui vont pas oser attaquer directement leur victime. Ça peut être aussi des gens qui sont amoureux, des choses comme ça, et qui vont donc, via le téléphone, des lettres, tout ça, harceler comme ça des gens, et ça peut aller jusqu'au crime, quoi, jusqu'au meurtre, des choses comme ça. Donc voilà, donc je propose qu'on prenne encore deux questions. Siané, si t'es encore là, repose la question, comme ça on va la prendre, il y a un peu trop de commentaires pour la retrouver. Et puis ensuite on fera un tour de table et puis on se dira à la prochaine, hein. De toute façon ce sera pas la dernière vidéo hein, qu'on va faire. Donc j'essaye d'en trouver une là dans ce chat. Quelles pourraient être les motivations ou les intérêts de Murel Boyle à participer à cet enlèvement? Moi je pense que la formulation de 16 maths elle est pas si bête que ça. C'est-à-dire de dire que Muriel, elle a participé à Corps Défendant. Moi, je pense que Muriel, en fait, elle sait pas du tout ce qui se passe quand Bernard vient la chercher. Donc, voilà, c'est juste une théorie, encore une fois. Mais à ce moment-là, elle sait pas vraiment ce qui se passe. Et je pense que Bernard, lui, non plus, d'ailleurs. Et donc, ils font un tour, tout ça. Ensuite, elle voit partir Bernard avec l'enfant. Il revient sans l'enfant. Et puis, elle se dit... d'ailleurs, je crois qu'elle dit ça dans son PV... Il l'a ramené peut-être chez ses parents ou chez des amis ou quelque chose de similaire, quoi. Donc voilà, je pense que Muriel, elle a rien à voir avec tout ça. C'est juste une victime collatérale. Après, si elle était vraiment dans cette voiture, elle parle pas. Et visiblement, elle parle pas parce que sa famille fait des pressions sur elle, quoi. Elle risque tout, donc je pense qu'elle parlera jamais. Mais bon, peut-être qu'un jour, ça se fera, on sait jamais. Ah, donc Siané disait « Isabelle jamais soupçonnée par les gendarmes ». Donc effectivement, quand il y a ces deux collègues là qui vont dire qu'elle aura tout raconté, elle va être questionnée. Mais elle va juste nier les faits, elle va dire « j'ai jamais dit ça ». D'ailleurs, je pense qu'elle a jamais dit ça si elle est impliquée. Et puis après, ils sont pas trop intéressés à la personne, visiblement. En tout cas, nous, on n'a rien trouvé. Pourtant, on a accès à quelques documents semi-confidentiels, tout ça, et elle est pas présente, quoi. Ou alors vraiment à la marge. Alors, Daniel, la suite, le couple Jacob. Alors, je sais pas si je peux le dire, mais moi, je pense que le couple Jacob, même s'il a probablement participé au corbeautage, il n'est pas directement impliqué, mais c'est peut-être aussi une parade, une façon de... Comment dire ça? Une parade juridique, en fait, pour... parce qu'on sait, voilà, que si c'est Bernard et qu'il est mort, on peut pas l'accuser une fois mort. Donc, il peut pas y avoir de jugement, tout ça. Et donc, je pense qu'ils ont essayé de faire une construction pour faire rentrer le couple Jacob et leur mettre une participation sur le dos pour qu'à un moment, en fait, les Jacob disent « Non, mais nous, on a juste corboté. » Et à partir du moment où ils avouent ça et qu'ils se mettent à dire peut-être aussi qu'ils ont corboté avec Bernard, ben là, du coup, il y aura peut-être pas de procès. Mais en tout cas, tout le monde saura que c'était bien Bernard. Et donc, je pense que c'est une construction comme ça. Après, c'est juste... une intuition. Alors, est-ce que parmi les intervenants, il y a quelqu'un qui voudrait dire un dernier mot? Peut-être Jean-Mi, on t'a pas beaucoup entendu. Oui, non, parce que je fais pas partie de cette affaire-là. Non, dernier mot, écoute, c'est toi qui vas le dire, le dernier mot. On te laisse cette chance. Exactement. Ouais, je voulais juste rajouter... on est un peu maladroit sûrement, mais
on est tout est au conditionnel, on n'accuse personne et on n'a aucune vérité. Hein, donc, on parle de Jacob comme si on savait tout, mais même les autres, ce ne sont que des idées que nous tentons de regrouper avec vous. Ouais, du coup, je vais rebondir sur ce que dit Franck, effectivement. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est du brainstorming, en fait. Il y a des idées qui passent, ça fuse, on fait des connexions. Mais moi, personnellement, je suis pas braqué non plus sur la roche. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est ce que je pense, mais s'il y a des nouveaux éléments qui permettent de changer d'avis, moi, je serai le premier à enquêter là-dessus aussi. Donc, c'est pas quelque chose d'arrêté ou un parti pris, tout ça, quoi. Et en tout cas, je remercie tous les participants du chat qui ont été assez courtois, je trouve. Je m'attendais à plus de trollage, tout ça. Donc même les gens qui étaient pas d'accord étaient courtois, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. De toute façon, c'est pas la dernière vidéo qu'on fait. Voilà, avec plus de théories, des nouvelles choses. Voilà, dès qu'il y a du nouveau, on vous tient au courant. Et puis sinon, je peux peut-être conseiller aussi le forum Justice pour Grégory, qui est quand même une belle mine d'informations, voilà, avec une modération intelligente, je trouve, qui permet de pas trop s'éparpiller sur plein de sujets. Et puis il y a aussi le forum des auditeurs de Louisette sur Facebook, si vous êtes là-dessus. Voilà, c'est une équipe assez intéressante. Et puis voilà. Donc merci à tous, hein, pour votre écoute, et je vous dis à la prochaine.